Bonjour et bienvenue à l'atelier Sennelier. Je suis Yves-Marie Salançon, le directeur artistique. Aujourd'hui, nous sommes sortis peindre en plein air. Nous allons faire une petite séquence de peinture en extérieur. Et j'avais envie de partager avec vous quelques petites astuces, quelques petits conseils que peut-être vous connaissez déjà, mais qui sont très simples. Et le premier, évidemment, c'est de choisir un paysage qui vous inspire. Alors ici, nous sommes en bord de mer et sur ces ports, on peut trouver beaucoup de couleurs, ainsi que des matières, de la rouille et des bateaux très colorés. C'est ce qui m'intéresse dans ce paysage. La deuxième chose, il ne faut surtout pas s'encombrer de tout son atelier. Donc j'ai choisi quelques couleurs. Ce chevalet de newheavenart.com, un chevalet américain très très bien fait avec une large palette qui va me permettre de mixer mes quelques couleurs. Un petit carton toilet berge, ça va être très suffisant pour, et c'est très pratique pour peindre en extérieur. Et donc très peu de matériel pour pouvoir me déplacer facilement. Et justement, me déplacer, je vais peut-être en avoir besoin s'il y a une petite intempérie ou si je suis gêné par le soleil. Donc c'est le troisième conseil, c'est de rester toujours à proximité d'un possible abri pour pouvoir aller s'abriter si le besoin est. Enfin, et ça c'est peut-être le plus important, quand on peint en plein air, il ne faut surtout pas s'attarder sur les détails. On va peindre des grandes masses, mais on ne va surtout pas s'attarder sur le détail ou alors un petit peu sur le détail qui est au premier plan, surtout pas sur celui de l'arrière-plan. Ça c'est le quatrième conseil. Et le dernier, c'est surtout lâcher totalement prise par rapport à ce que vous pouvez voir. Il faut s'inspirer de votre sujet, s'inspirer du paysage, mais surtout pas chercher à le reproduire. Voilà, ce sont cinq petits conseils que peut-être certainement vous connaissiez déjà, mais que j'avais envie de partager avec vous. C'est parti!
Voilà, il y a une petite séance de peinture en plein air très agréable. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est toujours important de se pouvoir trouver un abri au cas où il y ait une petite averse. Et bien, ce fut le cas. Donc, la preuve par l'exemple, j'ai pu terminer cette peinture sous cet abri ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si tel est le cas, surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci, à bientôt.